Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment changer vos LMC swap dans LBank en USDT ou Bitcoin et par la suite vous montrer comment à partir de vos USDT vous pouvez obtenir votre Orange Money, virement bancaire, PayPal et tout autre moyen de paiement désiré. Donc, alors, quand vous avez déjà initié votre transfert, vous avez déjà transformé vos Limo Coin en LMC swap préalablement. Pour ceux-là qui ne savent pas comment faire cette manipulation, regardez juste le lien qui va s'afficher au niveau de la vidéo là. Cliquez dessus pour voir la vidéo concernée. Et vous pourrez, n'est-ce pas, savoir comment vous allez transférer vos Limo Coin en LMC swap. Alors, lorsque l'IEB Mal va ouvrir les retraits, le solde Wallet Balance ici, c'est celui-là que vous allez, c'est celui-là dont le retrait va concerner. C'est-à-dire, vous allez soit choisir le mode de paiement par. Alors, pour que nous soyons tous à la page, parlons avec des images. Alors, vous allez choisir comme mode de retrait SMB Wallet. Voilà. Vous allez choisir SMB Wallet BEP20. Lorsque vous allez choisir la méthode de retrait, lorsque le bouton retrait au niveau des finances va s'afficher. Voilà. Donc, moi, je fais cette vidéo pour vous montrer déjà. On va se dire, vous avez déjà vos LMC Swap. Donc, voilà, c'est là-bas qu'on y va. Vous vous connectez dans votre compte LBank. Vous connectez dans votre compte LBank. Alors, on va se dire que vos LMC Swap sont déjà dans LBank. Moi, j'ai des LMC, donc... le paramétrage ne sera pas très compliqué. Voilà. Je vais rentrer mon code de vérification. Voilà. Alors, lorsque vous avez déjà vos LMC swap, comment les swapper, comment les transformer ou les changer en USDT? Alors, vous venez dans Wallet. Suivez attentivement. Venez dans Wallet, Spot. Alors, on a nos LMC Swap ici. Vous voyez, voilà. Vos LMC Swap vont s'afficher comme ça dans LBank. Alors, vous sélectionnez simplement. Vous venez au niveau de Withdraw. Non, Withdraw ici, c'est lorsque vous voulez envoyer les LMC Swap à quelqu'un. Voilà, parce que certains m'ont demandé, madame, est-ce que c'est possible de vous transférer directement les LMC Swap? Que je vous dise d'abord l'avantage de transférer, de swapper en USDT. Il est important de swapper vos LMC en USDT pour la simple raison que l'USDT est un stable coin, c'est-à-dire il n'est pas volatile, son prix du matin au soir n'aura pas changé, il est équivalent à 1 dollar, la même valeur anytime. Par contre, lorsque vous voulez vendre les LMC swap, il peut s'avérer, parce qu'on ne va pas regarder dans le bon sens. On est d'accord que le LMC swap a un peu chuté et est encore en train de chuter. Alors, il peut s'avérer qu'au moment du transfert de LMC swap, voilà, ça chute. Donc, c'est la personne à qui vous avez envoyé vos LMC swap qui sera un peu perdant si lui, après, doit swapper. Alors que il est préférable pour les deux parties que vous transformiez vos LMC swap en USDT. Sauf si... la personne vous dit qu'il prend directement le LMC swap comme moi. Pour ceux-là qui vont passer par mon exchange, vous allez pouvoir changer directement le LMC swap. Et parfois, on vous dira qu'on prend directement l'USDT. Mais voilà, faisons donc la manipulation. Vous allez venir, vous allez sélectionner Trade. Vous allez venir dans Trade. Donc, voilà. Vous cliquez sur Trade. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Trade... Alors, la manipulation à faire ici, c'est de vendre les LMC swap. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un exemple. Vous voulez vendre les LMC swap. Alors, le prix à la vente, il est de 5 dollars. Donc, moi, j'ai déjà mes LMC swap. Si, par exemple, je veux vendre 2 LMC, voilà. Vous voyez que 2 LMC,
Regardez ici le montant en USDT, l'équivalent en fait. Toujours vérifier l'équivalent en USDT. Donc, si par exemple je veux vendre 10 LMC, ça me fera 54 dollars. Voilà. Donc, je vais faire le test et là, c'est la valeur actuelle, price ici. Vous voyez, price USDT, c'est la valeur du marché de l'USDT. Vous avez la possibilité de vendre en dessous ou en plus que ça. Quand vous êtes au niveau des limites, vous pouvez décider de prendre au niveau de market price. Donc, tout simplement, vous le laissez comme il est là. Et ensuite, vous vendez. Mais moi, si je veux vite vendre mon ordre, je peux mettre même 5,5. Ça dépend. Voilà. Donc, ici, c'est le montant. C'est-à-dire, vous voyez la LMC swap, la quantité de LMC que vous voulez vendre. C'est ça que vous renseignez ici. Et l'équivalent en dollars s'affichera tout en bas. Ensuite, vous cliquez sur Sell LMC Swap. Allez, vous cliquez sur Sell LMC Swap. Confirmer. Voilà, vous voyez, Order Placed. Donc, mon ordre a été bien placé. Et maintenant, au niveau de Open Trade, Open Order, vous pouvez voir l'historique de vos transactions. Voilà. Vous pouvez voir l'historique de vos transactions, Transaction History. Donc, vous pouvez le voir là, mais bon, les ordres ouverts sont les ordres qui ne sont pas encore complètement remplis. Ça signifie quoi? J'ai pris à 5, c'est combien? 5,49. Voilà. Donc, si ça monte, voilà, mon ordre sera rempli en fonction de l'évolution du marché ici. Mais après, quand ça sera complet, au niveau de Trading Statute, ça va normalement mettre 100%. Donc, voilà. Voilà comment vous feriez pour vendre vos LMT Swap. Maintenant, la deuxième méthode, je la montre directement. Vous pouvez simplement venir sélectionner Market. Market signifie vous vendez au prix du marché. D'accord? Vous vendez au prix du marché et ça prend directement. Market, par exemple, ici, si je veux, je vais dire que je prends 3 LMC. Vous voyez? Je vais mettre 3 M, je vais retirer 3 LMC. Et je vais cliquer sur Sell. Voilà. Je clique sur Sell. Je confirme que je veux vendre 3 LMC selon le prix du marché. L'ordre est placé. Voilà. Donc, vous voyez ici que la transaction est complète. Donc, lorsque vous voulez vendre instantanément, alors sélectionnez Market et ça vend automatiquement au prix du marché. Et vous voyez là, l'ordre est automatiquement complété. Donc, c'est un peu ça. C'est plus rapide, je vous le recommande, si vous ne voulez pas trop attendre que ça se renseigne comme ici. Vous voyez un peu, voilà. Les deux façons de vendre vos LMC swap, c'est-à-dire de swapper, de changer vos LMC en USDT. Et maintenant que vous avez les USDT, alors, si je vais actualiser cette page, je vais sélectionner USDT. Lorsque vous avez maintenant les USDT, vous avez la possibilité d'acheter n'importe quelle crypto-monnaie. OK? N'importe quelle crypto-monnaie vous est accessible en achat. Donc, vous voyez là, vous pourrez voir que mon solde en USDT a augmenté. Donc, voilà. J'espère que la vidéo a été assez claire. Si vous avez d'autres préoccupations, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou alors de me contacter via le numéro que je vais laisser en description de la vidéo pour tout complément d'information. Alors, n'hésitez surtout pas à liker, à partager à votre réseau, vos downlines, vos fioles, les fioles de vos fioles. Partagez pour que tout le monde puisse être apte à manipuler les crypto-monnaies. Voilà, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!